Voici la Volvo XC60. Coupe de cœur pour les Luxembourgeoises et pas seulement. Parce que depuis 2009, le XC60 est le modèle le plus vendu de Volvo Cars. Et si l'on est en pleine transition vers la mobilité verte, j'ai ici la version plug-in hybride. À l'extérieur, le design épuré nous fait penser au paysage scandinave. Les lignes minimalistes de ce SUV combinent dans un équilibre parfait l'élégance avec la sobriété. À l'avant, on remarque la nouvelle calandre qui arbore le logo Volvo. Les phares full LED directionnels avec feu de route automatique adaptatif offrent une excellente visibilité sur la route, quelles que soient les conditions météo. Comme vous le voyez, je me retrouve en plein hiver. Je suis à Feldberg, en Allemagne, à 1000 mètres d'altitude. J'ai savouré mon expérience de conduite qui s'est attendue sur plus de 300 km. 300 km parsemés d'autoroutes, des routes nationales et de tout petits chemins enneigés. Les voyages en famille se passent en tranquillité tout en profitant de l'espace généreux qu'offre l'XC60. Maintenant, je vous invite au bord de la Volvo XC60 pour découvrir l'habitacle. À l'intérieur, on retrouve une atmosphère à la fois conviviale et luxueuse. Les toits ouvrants panoramiques créent une ambiance aérée et permettent aux passagers de rester toujours en contact avec l'environnement extérieur. Sur l'accoudoir central, on retrouve le bouton Start-Stop, les pommeux de levier de vitesse, des espaces de rangement. Ici, il faut absolument mentionner l'espace de rangement pour smartphone où l'on peut profiter du chargement sans fil. Les sièges avant et arrière sont chauffants, toujours une belle découverte pendant la saison froide. Le siège avant à commande électrique est très confortable sur de longs trajets. Je viens de conduire plus de 300 km et je ne me sens pas du tout fatiguée physiquement. Sur la coudoir centrale arrière, on retrouve des portes gobelets, un espace de rangement et une trappe à ski qui s'avère vraiment très utile pour le transport de ski. En ce qui concerne l'univers technologique, sachez que les services Google sont intégrés. Ok Google, je veux manger. Ok. Ok Google, je veux manger au resto. Il y a 9 endroits correspondants parmi lesquels vous pouvez choisir.
La fusion, place d'armes Général de Gaulle, est à 46,8 km. Voulez-vous y aller? Non, pas tout de suite. Ok, dites-moi si je peux aider. Est-ce que tu peux mettre de la musique? Ok, je peux jouer ceci sur YouTube Music, Spotify, Apple Music ou Deezer. Lequel voulez-vous utiliser? YouTube. Vous ne disposez pas de l'application YouTube Music sur votre appareil. Vous pouvez l'installer pour écouter de la musique. Ah d'accord, donc il faut installer les applications. C'est vrai. Sur l'écran central, on peut appuyer, glisser ou balayer pour avoir accès à une large gamme d'options. Et on peut l'utiliser même avec des gants. À la conduite sont affichés sur la combine d'instruments. Dans le grand coffre, l'espace est suffisant pour accueillir le bagage d'une famille qui part en voyage. Pas la peine de faire des compromis en ce qui concerne les tenues. J'ai même pris mon multicuisseur pour préparer les repas pendant le séjour. Ce n'est pas toujours évident d'aller au resto pendant une pandémie. Et si l'on perd des repas, je pense que c'est l'heure d'aller mettre mon tablier. Bonne journée.